Bah voilà, j'ai pas l'air bête, ça va? Alors, allez, c'est parti! Salut à tous, vous êtes bien sur la page I Love World et cette semaine je suis avec mon pote Fabien mais qui est en train de se retourner là-bas, où ça? À Pékin, en plein direct de la Grande Muraille de Chine, mesdames, messieurs. On va marcher, on va randonner, on va pas tout faire hein, parce que c'est très très grand. Mais je peux vous dire que c'est grandiose. Alors on a un temps de merde, voilà, il fait pas très très beau, mais je peux vous dire que c'est quand même super, c'est à faire. Là ça fait quoi? Ça fait un petit quart d'heure qu'on est en train de se balader, c'est trop beau. Je vous souhaite une très très bonne balade dans cette nouvelle vidéo I Love World. Alors il paraît, mais attention, c'est lui qui a lu ça quelque part, donc faut pas se fier à lui, c'est pas une référence. Parce que là ce qu'on voit par terre, ça a été fabriqué avec du ciment. Ils ont mis du riz. Ils ont mis du riz, voilà. Pourquoi? Parce que l'amidon ça agglomère... Voilà. Bon, on n'est pas sur France 5, on est juste sur I Love World, donc on peut dire ce qu'on veut, on peut dire n'importe quoi, voilà. Hein. Bon, c'est un petit chat des murailles. Oui. Il y a une voix super bizarre qui raconte des choses. C'est une voix bizarre. Je sais pas trop ce qu'elle raconte parce que c'est que en chinois. Bonsoir. Oh là là, je suis filmé de partout, dis donc. Je peux vous dire que là je suis en train de me faire le cucul, hein. On est encore sur du dénivelé de... Putain de merde. Oh putain de merde. C'est dangereux. C'est dangereux cet endroit. Alors tenez-vous bien à la rambarde. Ou le cas échéant, prenez les escaliers qui sont juste là. Elle tape là. Ça colle. Voilà, on est rouillé. Je sais pas comment faire là. T'as pas ta Oshimori là? Et moi je suis impressionné si vous voulez par... en fait, par la hauteur du truc, parce que là, je sais pas si vous le remarquez en vidéo, mais c'est hyper hyper haut. Bon voilà, on a fini notre visite. En plus, ça nous a pas coûté très très cher. Le tout, ça fait 7-8 euros en tout, aller-retour plus la muraille. Donc c'est un pur kiff. Et en plus, je fais ça avec un de mes meilleurs copains, Fabien. C'est plutôt cool. D'ailleurs, toi, Fabien, t'es là depuis 2 ou 3 semaines. Ouais. Je me trompe pas. Et en quelques mots, est-ce que tu peux me dire ce que t'as pensé de Pékin? Tu marches beaucoup. Ouais. Tu marches beaucoup. Parce que c'est grand. C'est énorme. Ouais. Énorme. Entre 2 stations de métro, t'as 2 km. 2-3 km. C'est long. C'est très grand. Non, c'est très sympa. Il y a des beaux temples et des belles choses à voir. Vraiment de quoi passer au moins une bonne semaine facile. Ouais. En vacances. En vacances, parce que faut savoir qu'il n'est pas vraiment en vacances, c'était du bosser pour filmer la Coupe du Monde de basket. C'est plutôt pas mal ça. Ben, merci pour la visite en tout cas. Eh ben de rien. Alors, ce qui est vachement bien dans le métro ici, c'est que lorsque tu prends ton billet, il faut savoir exactement où tu vas. Donc en fait, tu cliques le nom de ta station et ça te file un billet. Un petit peu comme une carte bleue, tu l'utilises et une fois que tu as fini ton trajet, tu remets la carte et c'est fini, ils la gardent. C'est un petit peu plus écolo, on a hâte qu'ils fassent ça à Paris. Ils le font bientôt d'ailleurs, non? Bientôt la fin du ticket en carton à Paris? On verra. C'est notre CCP Chantal en 72 gauche. Très très grand le métro quand même. Hein. Alors là on est en train d'essayer de commander à manger, mais le problème c'est qu'en fait il parle pas anglais, il parle pas français, il parle que chinois et moi je parle pas chinois. Donc on est en train d'essayer de parler avec Siri qui fait le truc. Attends. Attends qu'il parle. Ah, 10 o'clock. Ah, c'est ok. Parfait. Il faut que tu sentes ça. Il a des faux sourcils. Alors c'est quoi? Mais on sait ce que c'est ou pas? Fais gaffe, c'est gras. Ah, c'est gras, attention. Ah, mais je sais, c'est sur la Marmite. Tu connais? Ouais.
Non, ça sent un truc. La pipe. Ça me rappelle. Ah, mais ça sent Nature et Découverte. Ils ont commencé à apporter des choses. Donc là, tu pilonnes. Puis après, t'as une grosse salade de choux. Bah, la bière. Toujours plus, hein, donc voilà. Donc. C'est du kimchi, ça, je pense. Oui, je pense, ouais. C'est bon, ça, ça pique, mais c'est bon. C'est trop bon, ça. Du chou fermenté. Bon, pour terminer cette vidéo, quelques petites images du quartier de Kianmen. De Kianmen. Voilà, c'est le coin hyper touristique. On a à deux pas de la cité interdite que j'ai pas pu visiter malheureusement cette fois-ci. Mais j'espère avoir d'autres occasions de venir pour pouvoir vous faire visiter encore plein, plein d'autres choses. Je vous fais plein de bisous. Un gros bisou à Fabien aussi. Merci. Parce que ça, c'était notre guide quand même exceptionnel. Je vous fais plein de bisous et je sais pas s'il y aura de prochaines vidéos dans les prochains mois. Mais croisez les doigts pour qu'il y en ait pendant encore des années et des années. Ceux qui savent comprendront. Allez, gros bisous et à très bientôt sur la page I Love World. Ciao! Et on a quelqu'un qui mange du maïs. Jean-Michel Maïs. Jean-Michel Maïs. Ça pue. Attends, que ça. Oh là là! C'est les chaussures du Turfu. It is the shoes of the Turfu. It's the shoes. Le Turfu shoes. Best. Ok, un conseil. Ne jamais marcher dans la mer avec des baskets. Et les remettre après. Parce que le mélange de l'odeur de la mer et le mélange de l'odeur des pieds, c'est. Malheureusement, j'ai pas pu le choper, mais en fait, les gens ici. Ils... Chéché, là, c'est derrière, c'est ça. Un kawé. Oui, bah, regardez pas comme ça. Hein. Je vais mettre un kawé de touriste, je suis trop content. J'ai déjà trouvé le parcours, regarde. Salut! Bonjour. Bonjour. Bon, alors là on prend le bus pour aller voir la Grande Muraille de Chine. Alors ça vaut le coup parce que ça coûte 12 yuan. Est-ce qu'il est l'équivalent de 1 euro et quel 50. 1,50€, voilà, ça vaut le coup. C'est pas très très cher, il suffit de prendre le métro jusqu'à une station en particulier. Il y aura les infos avec la description de la vidéo. Petit ticket. On a un petit ticket qu'on paye directement dans le bus. Le bus c'est le 877. C'est ça. Après il y a 1h30 de route, mais bon. 1h30, 1h. Une heure. Ça va être long.